Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 9 octobre 2021, direction l'hippodrome de Chantilly, pour le prix du cabinet des livres, troisième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 3 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Nous allons assister à une course rythmée du départ à l'arrivée, puisque notre handicap divisé de première épreuve se disputera sur le tracé des 1200 mètres en ligne droite. Avant coup, beaucoup de chevaux peuvent prétendre au titre, et comme souvent, il faudra avoir un peu de chance pour toucher le quintet plus. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Chirimiri. Ce protégé de Christophe Ferland a été battu d'un souffle par Mysterious Land lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Deauville. Ici, associé à Christophe Soumillon, il peut largement espérer décrocher la palme. En deuxième choix, le numéro 3, Killfrush Memories. Fabrice Chappet traverse une très belle période de forme et son cheval est proche d'une victoire de quintet plus. Plaisant vainqueur il y a 3 courses de cela, il peut compter sur l'aide de Stéphane Pasquier pour espérer monter sur la plus haute marche du podium. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Beahead. François Montfort l'aime beaucoup et pense que cette femelle de 4 ans fille de Dreamahead à l'aise sur le sprint peut compter sur l'aide de Yoris Mendizabal pour terminer dans les 3 premiers. En quatrième position viendra le numéro 4, Ivresse. Freddy Head la laisse sur le créneau des quintés plus dans le sprint et ce n'est pas pour rien que Maxime Guyon, le premier jockey de l'écurie Vertemer, est une nouvelle fois en selle. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Red 50. Henri Alex Pantal aime bien cette femelle de 4 ans et si Olivier Pellier est appelé à la rescousse, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 2, Toudoubem. Étincelant depuis plusieurs semaines et s'entendant parfaitement bien avec le jeune Hugo Boutin, ce pensionnaire de Mathieu Boutin peut espérer logiquement monter sur la plus haute marche du podium. En avant-dernier choix, le numéro 14, Red Torch. Équipé de hier pleine et piloté par Michael Barzalona, il devra simplement se sortir de son numéro 16 dans les stalles pour remettre les compteurs à zéro. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, True Romance. Les élèves de Francis-Henri Graffard traversent une belle période de forme et si Hugo Journiac a l'inspiration, il peut se sortir de son poids de 62 kg. En cas de non partant, le numéro 6, Satisfied, élève de Stéphane Vatel, âgé de 3 ans uniquement, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono est encore une fois dans le vrai en indiquant le tiercé, affichant tout de même un rapport de 161€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre fameux compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute.